Salut les musiciens, welcome to the Hotel California. On va jouer aujourd'hui le tuto de Hotel California au piano. Alors, on va faire ça en trois parties, l'intro, les couplets et les refrains. C'est parti pour l'intro. Le plus important, c'est de connaître les accords par cœur. La suite d'accords, il y a huit accords pour cette intro, comme pour les couplets, c'est les mêmes. Donc, on va avoir le si mineur pour commencer avec si, ré, fa dièse. Ok? Si je dois faire une basse, et c'est ce que je ferai. Je ferai une basse de si et la deuxième de fa dièse. Je ne prends pas la tierce au milieu. Hein. C'est très bien comme ça. Ok, après je vais rentrer dans les détails de la rythmique. Mais pour l'instant, on mémorise les accords. Ok, si mineur, si ré, fa dièse. Quand on devra le jouer en concert, pour accompagner, pour l'accompagnement, on ne jouera que les accords. Le deuxième, c'est un fa dièse. Alors, le fa dièse, il va être renversé ici, la main droite. Donc, je prends la basse de fa dièse, do dièse pour une deuxième basse. Il faut savoir que l'accord de fa dièse, c'est fa dièse, si bémol, do dièse. Nous, on prendra si bémol, do dièse, fa dièse, pour des raisons évidentes que vous verrez après. Accord renversé de fa dièse, donc si bémol, do dièse, fa dièse. Donc on a fait si mineur, fa dièse. Après on va aller en la. Le la il est majeur, ce serait un la do dièse mi, mais nous on va pas faire la do dièse mi. Vu que après on va se servir des notes pour l'intro, on va plutôt prendre juste. Ça aurait été do dièse mi la, mais c'est plus facile de faire juste mi la à base de la. Parce qu'on fera. On va pas prendre mi la, pardon. On va prendre la et la pour cet accord-là. Il y a deux accords dans la chanson. On va prendre des basses à l'octave, c'est-à-dire la même basse grave et un peu plus aiguë. Ce sera le la et le sol. Donc là, on est sur le la. Donc au lieu de faire la mi, c'est-à-dire tonique quinte, on fera tonique la la, comme Francis, Francis la la. Tonique et à l'octave. D'accord? Donc on prendra mi et la de la main droite. Qu'on fera quelque chose comme ça après. Mais c'est un la majeur, la do dièse mineur, d'accord. Si on joue l'accompagnement, on fera si mineur. Puis on fera le fa dièse renversé. On fera le la majeur normal, la do dièse mineur. Et après on passera en mi majeur, mi sol dièse si. Je vais un petit peu vite hein, parce que c'est un tuto réservé aux élèves qui sont quand même de bon niveau et donc qui comprennent vite les accords. Mi majeur, mi, sol dièse et si. Ok, mais c'est pareil pour ce mi, on ne va pas faire mi, sol dièse, si quand on jouera l'intro. On le prendra en renversé aussi. Et du coup, on était sorti du la avec. Après, je vous montre tous les détails, bien sûr. Et quand on va aller en mi, ben, il va nous falloir la basse de mi, ok. Mais ici, on va faire. Le mi, c'est mi, sol, si, normalement, d'accord? Mi, sol, dièse, si, pardon, puisqu'on est en majeur. Ben, nous, on va prendre si, mi, sol, dièse. Accord renversé, d'accord? Au lieu de mi, sol, dièse, si, si, mi, sol, dièse. Ça nous permettra de faire ça, fastoche. Alors, on voit les premiers accords. On a fait un si mineur, si, ré, fa dièse. Fa dièse majeur, mais renversé. Fa dièse. On a fait le la. Nous, le la majeur, c'est la do dièse mi. Mais nous, on a dit qu'on faisait juste mi et la la. Donc renversé. Pour le mi qui arrive, on va prendre si, mi, sol dièse. Renversé donc le mi. Mais mi majeur, à l'accompagnement, pendant les concerts, mi majeur, mi, sol dièse. Après, il y aura un sol. Donc, sol, sol majeur, sol si ré. Hein. Sauf que là aussi, nous, on ne va pas prendre sol si ré, on va prendre basse de sol. Basse de sol. Et on prendra ré sol. D'accord? Comme pour le la tout à l'heure. Donc, après le sol, on arrivera en ré majeur. Au lieu de ré fa dièse, là, on prendra la ré fa dièse. Donc, renversé.
comme ça. Après, il y aura un Mi mineur, basse de Mi, mais là aussi c'est pareil, au lieu de Mi, Sol, Si, on aura Si, Mi, Sol. Et on finira sur le Fa dièse, à nouveau le même que tout à l'heure, le renversé, c'est-à-dire Si bémol, Do dièse, Fa dièse. Ça, c'est juste pour les accords. Je refais un tour très rapide et je vous montre tous les arpèges. Donc, si on fait l'accompagnement, Si, Ré, Fa dièse. Fa dièse renversé. La majeure, la Do dièse, Mi. Puis je vais aller en Mi majeur, Mi, Sol, dièse, Si. Sol normal, Sol majeur, Sol, Si, Ré. Ré majeur, Ré, Fa dièse, La. Mi mineur, Mi, Sol, Si. Et Fa dièse à nouveau. On peut faire le Fa dièse normal ici, Fa dièse, Si bémol, Do dièse. C'est le tour. Alors, si vous voulez les revoir, parce qu'il faut bien les mémoriser, faites une pause sur la vidéo, faites un petit retour là, juste une minute avant. Passe ici, j'espère que ça n'a pas coupé pour vous. En tout cas, ben voilà, c'était la première partie. Du coup, ça fait peut-être une coupure sur la première partie. Et ben, j'espère que ça va capter pour la deuxième partie. Alors, on y va pour l'intro. C'est parti. Pour l'intro, on doit faire plaquage pour le Si mineur de tout l'accord, c'est-à-dire basse de Si et de Fa dièse, et l'accord Si, Ré, Fa dièse. Voilà, voici la façon la plus facile de faire, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 notes à jouer, on va dire, la façon la plus facile. Donc je plaque l'accord, après je fais Si, Ré, mes deux premières notes de l'accord de la main droite. Donc tout ensemble, Si, Ré, petite basse du pouce gauche, d'accord. Ici je suis sur un Fa dièse, donc on plaque 1, 2, 3, les deux premières notes. Une fois que j'ai fait ma petite basse, je vais chercher la troisième note de l'accord. Voilà, c'est une séquence, une petite empreinte que vous allez refaire sur d'autres accords, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4. Là, je ne parle pas des temps, hein, quand je dis 1, 2, 3, 4, c'est le nombre de notes que je fais. Après, il faudra rejouer le Ré et une note plus aiguë, en l'occurrence, sur cet accord, ce sera le Si. Tout l'ensemble, ça va faire. C'est ce rythme qu'il faut garder là. 3, 4, voilà, entraînez-vous. Personnellement, quand je le joue, je rajoute encore une basse de la main gauche. Je vais vous montrer où elle se situerait. Ça ferait 1, 2, 3, basse, 4, basse. Donc ça engage à enchaîner un petit peu plus rapidement. Mais c'est très joli. Plein de fois le rythme parce que c'est ça qu'il faut choper dans ce morceau. Une fois que vous avez fait l'accord, petite liaison, Ré Mi pour la liaison, ok, tout doucement, Ré Mi, et là on va passer sur le deuxième accord, Si bémol, Do dièse, Fa dièse, basse de Fa dièse, Do dièse, où là on va faire plaque. La même chose que juste avant. C'est-à-dire 1, je plaque tout. 2, 3, c'est mes deux premières notes de l'accord. Petite basse, toujours après les deux premières notes, je fais donc. Troisième note de l'accord, Fa dièse. Puis je reviens sur la deuxième. Et je vais chercher un Do dièse plus aigu. Tout doucement. Plaque, 1, 2, basse, 3, 2, 4, d'accord. Si vous rejouez la basse, elle est toujours jouée au même endroit. Ne perdez pas le rythme. Si j'enchaîne les deux. Ah, pardon.
j'ai raté la liaison, j'ai fait mi, alors que c'était ré mi la liaison. Hein. 3, 4 et... Ré mi. Laissez un blanc avant d'enchaîner la suite. Ok ? Là aussi, c'est important de faire une pause pour bien gérer déjà ça. À une bonne vitesse quand même. Ok ? Travaillez bien ça. Et après, on enchaîne avec le La. Donc, on est censé faire un La de la main gauche. Et comme je vous le disais tout à l'heure, un La aussi de la main droite. De n'importe quoi. Du petit doigt et pouce, main gauche. De base de La. Il est fatigué. De la main droite, je fais Mi La. Ok ? Jovovic. Attention. 3, 4, ça fait plaque. Donc là, j'ai fait quoi? J'ai plaqué tout. Mes deux premières notes, mi la, ma petite basse, et ma, en fait, ma troisième note, ce serait celle-là, le si. Moi, j'aime bien, quand je joue cette troisième note, rejouer avec le mi ici. Donc ça fera... C'est plus joli, non? Je peux rejouer ma basse ici, comme tout à l'heure. Après, je rejoue la soi-disant deuxième note de mon accord qui est donc le La. Et là, je vais chercher ce La. Tout à l'heure, j'allais chercher des notes plus aiguës. Mais là, il faut que je retourne sur ce La, La, ce La, La. Je remonte. Facile, hein, c'est facile, hein, je refais. Une fois que j'ai fait ta, 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 petite liaison qui fait la, si, mi, fa dièse, la, si, mi, fa dièse. C'est assez rapide, je vous fais en rythme tout l'ensemble. C'est tout pour celui-là, enchaînement des trois premiers. Vite sur le mi la et je fais. C'est joli. Ensuite, on va aller en mi. Du coup, je descends mes deux basses de mi ici et je fais mon mi renversé, c'est-à-dire si mi sol dièse de la main droite et je vais faire. Alors là, c'est le même principe que d'habitude, c'est-à-dire je plaque tout. 2, 3, les deux premières notes de mon accord. Donc, 1, 2, 3, petite basse. La troisième note de mon accord, ici, le sol dièse. Je reviens sur la deuxième note, le mi. Et après, si, ça donnera. Et si je rajoute toujours mes basses main gauche. Ce qui est important au Hotel California, c'est que quand vous avez travaillé les deux premiers, faites-les par pair, par couple. D'accord ? Vous travaillez les deux premiers accords, après les deux suivants, vous essayez de toujours revenir au départ et de relier tout ça pour ne pas oublier. Petite liaison. Le deuxième. Mila. Je vais aller en mi renversé pour faire. Alors vous avez vu, des fois je fais. Je rejoue l'accord au lieu de juste cette troisième note. C'est très joli qu'avec la note. Mais c'est un peu plus complet avec l'accord aussi. Au choix. Faites une pause aussi pour travailler ça. Hein, parce que c'est déjà beaucoup de boulot. Donc, une fois que vous avez enchaîné tout ça, on a fait. Le si, fa dièse. On est allé sur le la avec nos la, mi, la, mi, la, mi, la. On est allé sur le mi, ok ? Avec renversé là, là, là. Ok ? Maintenant, on arrive sur le sol. Alors, le sol, c'est comme pour le la. Je vais prendre sol, sol de la main gauche. Ok ? Et de la main droite, ré, sol. Alors, oui,
sur l'intro, c'est ce qui est le mieux. Ré sol de la main droite. Comme tout à l'heure, on faisait mi la, parce qu'on était en la, ben là qu'on est en sol, on fait ré sol, basse de sol. Et je fais le même principe rythmique, c'est-à-dire comme tout à l'heure. C'est-à-dire, je fais la, je plaque 1, 2, petite basse. La note numéro 3, c'est le la. Alors, je rejoue avec le ré comme pour le mi tout à l'heure. Je peux rejouer ma basse si je veux. Puis je reviens sur la deuxième note qui est mon sol. Et sur le. Ah non, pas sur le ré, je reviens sur celle-là du coup maintenant. C'est important de revenir sur un sol. Deux, trois fois. Et la liaison qui va avec. On va faire sol, la, mi, pardon. C'est ça. Sol, la, ré, mi. Sol, la, ré, mi. Comme tout à l'heure, on faisait. Et bien là, c'est décalé d'un ton. Petit navire. J'en place quelques-unes comme ça. Alors, attention. On refait du début du coup. 3, 4 avec le si. Le fa dièse. On se place mi la pour le la. La liaison. Le mi renversé. Place pour le sol avec ré sol. Et j'arrive ici sur le ré majeur, donc basse de ré, et là tout simplement le renverser, la ré fa dièse pour faire. C'est le même principe que d'habitude, je plaque 1, 2, 3, petite basse. Quatrième note, c'est la troisième de l'accord. Je reviens toujours sur le ré, et là je vais chercher un ré plus aigu, c'est plus joli. Ok, donc on est au sixième accord là, du coup je reviens toujours au départ. Alors moi je vais un petit peu vite, mais faites-le tout doucement, d'accord? C'est pour mémoriser, on ralentit le mi avec le la. Je vais en mi ici, pour le mi renversé. 4, je vais en sol maintenant pour le ré sol. Ré renversé, la ré fa dièse. Si vous avez bien suivi, on en est là. Il nous manque deux accords, le mi mineur juste à côté. Mi et mi ici, et j'avais dit tout à l'heure qu'on faisait si mi sol pour le renversé de mi mineur. Même principe que d'habitude, c'est-à-dire je plaque 1, 2, 3, basse. Bien juste que ces notes. Hein. Moi j'aime bien en rejouer plusieurs. Comme je suis déjà placé sur l'accord. La petite liaison qui fait mi fa dièse. D'accord. Et on va finir par notre fa dièse, à nouveau renversé ici, comme tout à l'heure. Je plaque, ta, ta, basse, ta, ta, ta. Toujours le même rythme. Ok, bon, ça fait un gros job déjà, mais c'est un super entraînement rythmique. C'est très joli à jouer, prenez bien votre temps. Je vous le remontre une fois en entier, assez doucement. Et comme ça, vous pouvez vous entraîner par-dessus. Et puis après, avec une pause sur la vidéo, tout seul de votre côté, à votre vitesse. On commence avec le si, si, ré, fa dièse, 3, 4. La petite liaison, ré, mi, fa dièse.
liaison, je me place en La pour le Mi La. J'arrive sur le Mi renversé. Je vais faire le Sol, Ré Sol. Attention. Ok, à vous de jouer. Comme moi, des erreurs d'inattention, on n'est pas focalisé sur ce qu'on fait et on fait des notes à côté. Bon, bah écoutez, vous avez un premier tuto, demain je vous fais, il est déjà l'heure pour moi d'avancer dans ma journée, donc je vous fais demain matin les couplets et les refrains dans la foulée. Vous avez déjà l'intro à bien bosser comme il faut. Allez, je vous dis à très vite, à demain. Salut, salut!